jamais, non, jamais tout, jamais. Matinière, l'aube matinière, ne lui qu'au beau jour, ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière. Jésus mon sauveur, Jésus mon sauveur me garde. Jamais, jamais, jamais ne me laisse. Oh non jamais, non, non jamais tout seul. Les dangers accourent, les dangers accourent. C'est-il inconnu, c'est-il inconnu. De près, il m'entoure, de près, il m'entoure. Plus près, c'est Jésus. Le voyage qui dans le voyage me redit, c'est moi, me redit, c'est moi. Ne crains rien, courage, ne crains rien, courage. Je suis toujours. Les dangers accourent encore, les dangers accourent. La subtile inconnue, subtile inconnue. De près il m'entoure, oh oui, de près il m'entoure. Mais plus près est Jésus, plus près est Jésus. Et dans le voyage, qui dans le voyage me redit, c'est moi, me redit, c'est moi. Ne crains rien, courage, ne crains rien, courage. Je suis toujours avec toi. Je suis toujours avec toi. Jamais, oh non, jamais, non. Jamais tout seul, non, 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 jamais tout seul. Oui, Jésus, mon sauveur, me garde. Oh non, jamais, jamais, ne me laisse. Oh non, jamais, oh non, jamais.
M'excuser, j'ai bien envie de me tenir debout. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Alors, si vous pouvez venir changer vos appareils. Attention, ton appareil. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je voudrais commencer par une chose, je pense, assez simple, mais qui m'a préoccupé durant toute la semaine, et je voudrais qu'on commence par là. On va faire une coupure entre ce qu'on a commencé. Je pense que ça peut être une introduction, mais ça peut servir ce matin, ce dont nous allons parler. Et je n'hésiterai pas à vous demander de poser des questions au cas où c'est nécessaire. Je l'ai juste intitulé « Aime ton prochain ». C'est toi qui dois savoir si c'est bon ou pas. Moi, je parlerai sans attention. Ou bien, je dis, éviter d'avoir des mauvais ressentiments envers les autres. Nous sommes arrivés à un stade où nous devons être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Et je me suis aperçu que dans le problème qui est le problème de l'Église, de Côte d'Ivoire, même dans le monde, il y a beaucoup de choses qui font que beaucoup de personnes commencent par avoir des ressentiments. Et il faut mettre fin à ça. Amen. Si on veut être enlevé, si on veut plaire à Dieu, on doit prendre garde. Amen. Parce que la perfection ne se fera pas à moitié. Et ça n'existe même pas. De même qu'il n'y a pas un chrétien à moitié, il y a un plein chrétien, une pleine chrétienne. De même, la sainteté doit être pleine et entière. J'ai déjà parlé du cœur à plusieurs reprises, mais ce matin, je vais donner peut-être des instructions assez précises sur certaines choses. On va prier. Père Céleste, nous voici devant ta face parce que tu nous aimes. Mais nous ne voulons pas faire de la figuration. Nous voulons nous soumettre à ta parole et à ta parole seule. Nous voulons que cette parole trouve sa place dans nos cœurs et apporte la vie. Parce que c'est pour cela que Christ est mort. Et c'est pour ça aussi que Père Tout-Puissant, tu as envoyé ce message-là qui a été distribué jusqu'à ce jour. Que nous n'ayons point de ressentiment avec qui que ce soit. Amen. Quel que soit ce que nous pouvons subir ou souffrir, l'ordre est total et entier. Aime ton prochain comme toi-même. Amen. Ce matin, que cela soit une réalité dans mon cœur, dans le cœur de mes frères et sœurs, et de tous ceux qui à l'extérieur écouteront. Ce que je ne saurais pas dire, Seigneur, que tu le rends clair pour tes enfants. Amen. Que rien de contraire à ta parole ne soit dit. Que nous demeurions dans les limites de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on va lire dans Luc 10, verset 25 au verset 37. Luc chapitre 10, verset 25 au verset 37. «
Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus prit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeaient de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à Lot et dit, « Aie soin de lui, est-ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces deux, de ces trois, te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Amen. Alain me dit, mais quel lien qu'y a-t-il entre la position que nous avons ici et celui-là? La première des choses que vous devez voir, c'est que il n'y a pas de place dans le croyant autre que l'amour qu'il doit porter pour Dieu. Et ça, c'est très précis et clair. Il lui dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. En d'autres termes, il n'y a pas un endroit dans notre vie qui doit être occupé par quoi que ce soit d'autre, si ce n'est que Dieu seul. Aujourd'hui, nous devons nous examiner pour voir qui occupe nos forces, nos pensées, nos cœurs. Il y en a quatre. D'abord, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Nos forces sont livrées à qui? Nos pensées sont livrées à qui? Vous savez bien que la pensée, notre pensée, est le plus grand lieu de bataille par lequel le diable cherche à nous attaquer. Quand nous le livrons, nous devenons vulnérables. Donc, toute situation qui peut nous amener à raisonner, sachez, dès que vous rentrez dans le raisonnement, vous finirez par laisser la place au diable. Donc, il n'y a aucune situation qui doit vous permettre de raisonner. Vous devez le remettre simplement entre les mains de Dieu. Amen. Et vous en détourner. Parce que aussi longtemps, vous pouvez dire, on va arriver tout à l'heure. Hein. Parce que souvent, quand on raisonne, on se justifie. On pense qu'on a raison, que les autres ont tort. On ne s'examine pas, on ne s'arrête pas pour voir. Et surtout quand on sait ce qui se passe, où on apprend ce qui se dit, alors on est meurtri, on est brisé, on est déchiré, on devient malade. Mais il dit après, aime ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas aimer l'autre comme toi-même si tu ne peux pas aimer Dieu. Tel qu'il est dit. C'est pour ça que les gens, qu'on a chanté ce matin-là, sans l'avoir choisi, vous savez comment ça s'est passé. L'amour est dedans. L'amour est prépondérant là-dedans. La présence de Dieu est prépondérant là-dedans.
Le fait que Dieu ne va pas nous laisser seuls est prépondérant. Donc, comment Dieu va être avec toi si toi, tu ne peux pas l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de ta force? Comment il va le faire? Ce n'est pas possible. Donc, nous devons savoir, frère, aujourd'hui, comme j'écoutais, j'avais voulu peut-être dans le midi et deux, je vais tirer cette prédication-là. Ce que vous devez savoir, frère, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais je vais vous dire ce que je vais exprimer. L'enlèvement va se faire, comme je l'ai lu, comme je l'ai entendu, c'est un départ soudain secret. Alors c'est un départ soudain secret. Qui pourra partir si dès maintenant il n'est pas prêt? Si dans votre cœur, frère et sœur, il y a quelque chose qui peut vous empêcher de partir, c'est maintenant le temps de l'enlever. Amen. Soyez certains. C'est le temps de vous rendre compte que quelque chose est là qui est un obstacle. Débarrassez-vous de ça automatiquement, quelle que soit son origine. Amen. Quelle que soit son origine, Amen. D'où que ça vient. Parce que beaucoup vont s'attendre à ce que ce soit un mouvement de masse. Ce n'est pas un mouvement de masse. Ce n'est pas un mouvement de masse. Hein. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas moi. C'est toi. Est-ce que tu es prêt? Il ne faut pas me regarder. Moi, je dois me regarder à moi-même. Amen. Je dois regarder à moi-même. Toi, tu dois regarder à toi-même. Est-ce que tu es prêt à partir? C'est ça qui compte aujourd'hui. Ce n'est pas un problème de groupe. Ce n'est même pas un problème de famille. C'est un problème de savoir que je suis moi prêt. Quel que soit l'heure, l'instant, le moment, je suis prêt simplement. Et c'est très important. Et c'est pour ça que j'ai dit à vous tous qu'il y avait bloqué des personnes parce que vous avez entendu ce qu'ils ont dit. Votre cœur était tué. Débloquez-les. Amen. Ne fermez pas vos portables. Ouvrez. Dès maintenant là, vous devez ouvrir. Amen. Si vous ne le faites pas, vous aurez Dieu sur votre chemin. Je ne plaisante pas ce matin. Vous êtes chrétien? Vous ne l'êtes pas du tout. Un chrétien ne trie pas. Un chrétien ne persécute pas. C'est lui qu'on persécute. Et quand on le persécute, on le lira, il bénit. Il ne maudit pas, il ne se plaint pas. Alors ici, quand vous suivez, cet homme s'est justifié bien. Il dit, mais la loi là, je l'ai appliquée depuis ma jeunesse. Alors, dis-moi qui est mon prochain. Maintenant, vous allez regarder les personnes que le Seigneur va choisir. Il n'a pas pris des gens lambda. Il a pris un sacrificateur. Il a pris un lévite. C'est des gens qui exercent des rôles dans le temple. Qui occupent une haute position dans le service de Dieu. Mais ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de sentiments. Au point où un homme mourant, il le voit, il passe outre. Quand ils vont arriver, le sacrificateur va aller dans le temple pour faire son sacrifice. Vous savez bien ce que fait le sacrificateur dans le temple. On va envoyer quelqu'un, va arriver avec son péché, avec son agneau, il va faire le sacrifice pour le pardon de ses péchés. Vous pensez que Dieu va exaucer un tel sacrificateur qui n'a pas de cœur? Le lévite, vous l'avez mis dans le temple. C'est eux qui gardent le temple, c'est eux qui chantent. N'est-ce pas? Oh oui, ils vont aller louer le Dieu, l'Éternel, Tout-Puissant. Ils vont chanter comme on a chanté tout à l'heure, là, à trompette, les cymbales et tout. Ils vont penser qu'ils ont servi Dieu, ils ont accompli ce qu'ils doivent faire. Mais à la fin, qu'est-ce qu'ils vont récolter? Zéro! C'est comme on a assis là, on a chanté, on va écouter, mais si les telles choses sont dans nos cœurs, mais si nous sortons là, nous sommes vides. Nous sommes vides. Nous n'attendons pas à ce que Dieu nous exauce. Nous n'attendons pas à ce qu'il nous écoute. Nous ne nous attendons même pas. Mais celui qui n'est pas considéré du tout, vous savez bien quand on dit le Samaritain, regardez bien quand le Seigneur a rencontré cette femme samaritaine au puits de Jacob. Il dit, mais il n'y a pas de communion entre vous et nous. Non, le Samaritain n'est pas considéré comme quelqu'un. En ce temps-là, mais c'est celui-là
qui accomplit ce qu'on a lu. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée. Aime ton prochain comme toi-même. Il a aimé cet homme. C'est pour ça que le Seigneur a fait dire, mais qui est le prochain de cet homme? Qui est son prochain? Et nous qui sommes ici, qui est notre prochain? C'est tout ce que nous voyons. Mon voisin est mon prochain. N'est-ce pas? Même celui qui, je pense, être mon ennemi est mon prochain. Il est mon prochain. Mais poursuivons avec Luc. Ou dans Matthieu. Prenons Matthieu 5. C'est pour ça que j'ai voulu me tenir debout. Prenons Matthieu 5. On va là-bas, verset 43, verset 48. Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Il vous a été enseigné que ton ennemi, tu ne dois pas l'aimer. C'est celui que tu aimes, celui qui t'aime que tu dois l'aimer, que tu dois aimer. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors arrêtons-nous un instant, frère. Qui on a persécuté ici? Qui on a maudit ici? Frère, je sais. Vous savez bien que je le sais. Je vais être très clair. Je comprends bien. Si quelqu'un ne veut pas fréquenter Frère Badi, ou même s'il va mettre des gens en garde contre Frère Badi, je le comprends. Moi, je le comprends. Vous savez pourquoi je le comprends? Si on dit Frère Badi enseigne de fausses doctrines, c'est normal qu'il ne fréquente pas Frère Badi. Mais comme moi, il sait qu'il n'enseigne pas une fausse doctrine. Si le croyant de venir chez moi, moi, je le recevoir. Amen. Si je vois dans la rue qu'il souffre, je vais l'aider. Parce que moi, il sait qu'il n'enseigne pas une fausse doctrine. Parce que si lui et moi, on se prend dans la Bible là, il va se rendre compte que ce qu'il dit n'est pas vrai. Donc moi, je suis tranquille. Je suis tranquille. Donc je n'ai pas de problème par rapport à lui. S'il me trouve dans la rue qu'il va m'embrasser et qu'ailleurs, il va m'insulter, il est libre de faire ce qu'il veut. Avoir deux natures. Moi, je ne dois avoir qu'une seule nature. Et vous ne devez avoir qu'une seule nature. Le croyant n'a pas deux. Il doit avoir une seule nature. Je vous ai toujours dit, quand vous prenez une boîte de lait, qu'on prenne un caillou, on tape la boîte de lait dans tous les sens, quand on va percer cette boîte de lait, ce n'est pas du sang qui va sortir, ce n'est pas de l'eau qui va sortir. Si c'est le lait qui est dedans, c'est le lait qui va sortir. Et vous devez en être de même, frère. Si la vie de Christ est en vous, quelles que soient les situations par lesquelles vous êtes passé, vous devez produire Christ. Amen. Vous devez produire Christ. Amen. Si vous n'êtes pas capable de produire Christ, vous êtes en danger de mort. Ça doit être perçu et su. Dès aujourd'hui, là. Amen. Frère, dès aujourd'hui, vous devez savoir. Le temps est passé. Oubliez le passé. Amen. Prenez dès aujourd'hui la décision devant Dieu de marcher comme des chrétiens. Amen. Les chrétiens n'ont jamais persécuté. C'est eux qu'on a toujours persécuté. Ils n'ont jamais maudit. C'est eux qu'on maudit. Vous me comprenez bien, non? Dans vos cœurs, vous devez être blanc comme neige, blanc comme laine. Vous devez l'être. Quelque soit ce qu'on peut dire de vous, ça ne vous salira pas devant Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui justifie. C'est le Seigneur qui condamne ou qui justifie. Personne ne peut vous condamner. Personne ne peut vous justifier. Seul Christ peut vous condamner. Seul lui peut vous justifier. Seul sa parole peut vous juger. Ce dont vous avez besoin, c'est de savoir que vous êtes la pleine volonté parfaite de Dieu. Amen. Et qu'il ne sort de votre bouche que ce qui est de la parole de Dieu. Amen. Rien que ça, frères et sœurs.
Alors, quand on poursuit cette lecture, il dit, afin que, regardez bien, le verset 40 dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. A priori, vous n'êtes pas censé avoir des ennemis. Parce qu'un ennemi doit mener à la mort. N'est-ce pas? Si vous avez un ennemi, et que vous savez que c'est votre ennemi, ce que ça veut dire, vous devez être capable de le tuer. Parce qu'un ennemi n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Un ennemi, là, ou c'est toi, ou c'est lui. Si tu sais que lui, il est ton ennemi, alors il faut t'attendre à le tuer. Mais toi, tu n'es pas censé avoir un ennemi. C'est pour ça que tu dois faire du bien à celui-là. Même si tu penses qu'il te prend en, lui te prend un ennemi. C'est lui qui te prend un ennemi. Hein. Alors, comme il te prend un ennemi, il faut le bénir. Parce qu'il est aveuglé. Il ne sait pas ça. Et par moments, j'ai vu. Viens ici, Vincent. Moi, j'aime faire des choses très simples pour que vous ne les fassiez plus. Alors, Vincent arrive, salue-moi. Et puis, Vincent vient faire comme ça. En d'autres termes, entre nous deux, qui a un problème? C'est Vincent ou c'est moi? C'est moi? C'est moi qui ai un problème? Vincent n'a pas de problème. On va parler de le mot hypocrite que vous aimez utiliser là. On va en parler tout de suite. On va le définir pour que vous sachiez exactement ce qu'on appelle hypocrite. Si Vincent vient avec un enthousiasme, quelque chose qu'il a dit de moi auparavant, et s'il a le courage de venir pour m'embrasser, mais moi j'ai tenu dans ses bras. Oui, mon frère, que Dieu te bénisse. Pourquoi? Parce que dans mon cœur, il n'y a rien. Amen. C'est lui qui a des problèmes. Maintenant, s'il arrive et puis, je fais ça. Je tiens l'écart. Non, toi et moi, il n'y a rien à manger. C'est moi qui ai un problème. Ce qui veut dire, dès l'instant là, je lui dis le problème, je le pose en même temps. Et puis, on le règle. Moi, je le fais. Moi, je l'ai fait avec certains. Il arrive, tu m'appelles papa? Tu me connais, tu m'appelles papa? Voilà ce que tu as dit, voilà ce que tu as dit, voilà ce que tu as dit. Non, papa, voilà. Je dis, bon, ok, on fait la paix, c'est tout. Je retourne chez moi. Aussi longtemps que je ne peux pas faire ça, frère, je ne peux pas parler de Dieu à quelqu'un d'autre. Pour qui je prêche? Je dois prêcher à moi-même d'abord. Moi-même. Et je dois vivre ce que je prêche. Sinon, je suis un hypocrite. Et je vais vous définir ce que c'est qu'un hypocrite tout à l'heure. Pour que vous sachiez, vous ne prenez pas le mot hypocrite dans tous les sens. Parce que monsieur, on nous compte qu'on le prend dans tous les sens. Et je vais le décrire sur la Bible. Je lis les versets bibliques, comme ça, vous-même, vous allez comprendre ce que c'est. Pourquoi on dit que telle personne est hypocrite là? La Bible le fait clairement. On n'a même pas besoin d'expliquer. Tu peux aller t'asseoir. Alors, ne repoussez pas ceux qui viennent vers vous. Même si vous avez appris qu'ils vous ont maudit. Ne les repoussez pas. S'ils ont le courage de venir, recevez-les. Ne pas le faire, vous avez un problème. Ne pas le faire, ne vous attendez pas à ce que Dieu exauce votre prière. Ne pas le faire, ne vous attendez pas à ce que la maladie ne vienne. La maladie viendra tous les jours. Les problèmes viendront tous les jours. Oui. J'en ai parlé deux fois ici à la maison. J'ai dit j'en parlerai pour que tout le monde, que ce soit ici ou à l'étranger, vous devez savoir que vous n'avez pas de problème à avoir avec qui que ce soit. Dans la maison de Dieu, ça, il va avoir le « mais les enfants de Dieu doivent rester tels qu'ils sont. » Alors, on poursuit. « Afin que vous soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. »« Afin que vous soyez les fils, voyez bien, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. »« Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. »« Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Si vous aimez seulement, j'ai mis le mot seulement, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? C'est-à-dire, nous qui sommes là, hein, c'est nous seulement ce salut.
Quand les autres arrivent là, on les repousse. Moi, j'ai vu ça à l'enterrement d'une sœur. Dès qu'il y en a qui sont arrivés, boum, un coup, c'est lui, ils sont partis. En deux, ils vous repoussent. Ils ne veulent pas de vous. C'est qu'ils ont quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Moi, je les comprendrai. Ils ont un problème, il faut les comprendre. Mais ils ne sont pas parfaits comme ceux qu'ils croient servir. Non, non, non. Pour que vous soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux, qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, qui fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, frère, nous devons faire la même chose. Amen. Et je sais que le lieu le plus difficile, c'est quand ça se passe au milieu de croyants. Voici l'argument, le premier argument. Mais lui, c'est aussi qu'on est tous enseignés qu'on ne doit pas faire comme ça. C'est ça, non? On a tous enseigné qu'on doit faire comme ça. S'il fait comme ça, moi aussi je fais comme ça, comme lui. Mais c'est que vous avez la même chose. Peut-être ce qui a été enseigné là, il n'a même pas compris. Ce qui a été enseigné là, il n'y a même pas de place dans son cœur pour ça. Il ne peut pas produire. Frère, quand on a lu Psaume chapitre 1, je vous ai dit, à chaque saison, cet arbre produit son fruit. En face de la haine, qu'est-ce que vous devez produire? L'amour. Le mépris, l'amour. Rien ne résiste à l'amour. Hein. Rien. Ceux qui parlent, laissez parler. Je vous ai lu Matthieu 12, 36. Au jour du jugement, tout homme rendra compte à Dieu de toute parole vaine qu'il aura prononcée. De sorte que de vos lèvres ne doit pas sortir quelque chose de vain. Veillez à ce que vous dites. Veillez à ce qui sort de vos lèvres. Veillez à ça. Vous serez jugé pour ça. Vous aurez à rendre compte pour ça. Bien-aimés frères, mes enfants, mes soeurs, mes fils et mes filles, ce matin, je vous demande de prendre garde. Vraiment garde. Je poursuis. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Est-ce que vous n'avez jamais lu ce passage? Mais que vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait de ce passage-là? Les publicains font la même chose. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Si on est heureux seulement entre nous, on se salue. Ah, c'est moi. C'est Nicolas, tu arrives, que Dieu te bénisse. Alors voilà. Et puis un autre arrive là. Pour dire, il faut rester loin. C'est que tu as un problème. Évitez d'avoir des problèmes dans vos cœurs. Évitez ça, frère. Évitez sa sœur. Évitez d'avoir des problèmes dans vos cœurs. Soyez des fils et des filles de Dieu. Amen. Soyez parfaits. Remplis d'amour. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. L'amour accepte tout. L'amour ne cherche pas ses propres intérêts. Ne parlons pas d'amour avec nos lèvres. La fin de Dieu vous dit, ce n'est pas en parole, en langue seulement. Apportez la preuve que l'amour est en vous. Vous savez, il y avait quelqu'un qui a perdu son parent, nous on est parti. La fois dernière, j'étais chez un frère qui a perdu sa femme. On est parti ensemble, non? Quand il lui a dit, mais frère Badi arrive chez toi, il dit, quoi? Il arrive chez moi? Frère Badi arrive chez moi? Mais ça fait un an qu'il a déménagé dans le quartier. Moi, je ne sais pas. C'est lui-même qui a dit septembre 2020, il a déménagé. Il est dans le quartier. C'est chez lui. Il était surpris. Il venait d'arriver. Bon, attends, on va te prendre. On l'a pris dans la voiture. On est parti chez lui. On est resté avec lui. On a pris avec lui. Il était surpris qu'on vienne. On a chez lui. Mais moi, je n'ai pas de problème dans mon cœur. C'est toi qui as un problème. Moi, je n'ai pas de problème. Même tu es surpris que je vienne chez toi. Mais pourquoi je n'ai pas chez toi? Pourquoi? Tu m'as fait quoi pour que je ne vienne pas chez toi?
Même si tu m'aurais, même quand tu m'aurais insulté, je m'en irais. Mais c'est normal. Amen. Tu as pris ta femme? Je sais, tu as pris ta femme? Et moi, je suis là, puis je vais être insensible? Non. Si je suis insensible, c'est qu'il y a un problème au niveau. Ça, je peux me réjouir de ton malheur. Oh, la Bible ne peut pas le faire. Je ne sais pas si on se comprend. Je sais que c'est assez difficile, ça sera dur pour certains. Je regarde ma fille Suzanne là-bas aussi. Hein, ma chérie, je te regarde bien. Ouais, tu as dit, ouais, papa dit mon nom. Tu dis ton nom, c'est parce que je t'aime bien. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Soyons parfaits en toutes choses, frère. Amen. Soyons parfaits en toutes choses. C'est important. N'ayez dans vos cœurs aucun ressentiment pour qui que ce soit, envers qui que ce soit. Éliminez ça. Si c'est le cas, restez à genoux jusqu'à ce que cela sorte de vos cœurs. Amen. C'est le temps. Amen. C'est le temps. La mort peut nous prendre à tout moment. On n'a pas peur de mourir. Le chrétien n'a pas peur de mourir. Mais, frère, ne crois pas être chrétien et puis tu vas mourir. On va chanter ici, on va danser alors que tu, là où tu es parti, là, tu n'es pas parti là où il faut aller. Parce qu'un seul élément, si tu ne l'as pas mis en ordre d'ici avant de mourir, là, ça t'empêche d'aller. Hein. C'est pas, quand tu as mis tout en pratique et qu'un seul élément, tu ne l'auras pas fait, lui seul va t'empêcher d'aller. Lui seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, si tu mets toute la loi en pratique, tu as une seule là, tu as transgressé toute la loi. Et la loi la plus difficile, c'est l'amour. Le commandement le plus difficile, c'est l'amour. Et le Seigneur a dit, c'est en vous aimant les uns les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Amen. En dehors de l'amour, là. Frère, dans le monde, là, il y a tellement de choses qui se passent. Mais au milieu des croyants, c'est le seul élément qui caractérise, vraiment qui montre qu'ils sont des croyants. Parce que cet amour-là, on ne peut pas le trouver nulle part. On ne peut pas. Alors, ne dites pas, déjà, ils sont hypocrites. Ils parlent mal, et puis quand ils nous voient, ils adoptent nos comportements. Mais c'est normal qu'ils fassent ça. Vous allez me demander, mais pourquoi c'est normal? S'ils peuvent mal parler de toi, et qu'en te voyant, ils peuvent s'approcher, mais il a un reproche, il se fait des reproches. Parce que normalement, il doit te fuir. Ou bien je me trompe? Si j'ai mal parlé de quelqu'un, ça, il sait qu'il est mauvais. Quand je vois, je dois partir, je ne dois pas. Mais s'il peut avoir le courage de venir vers moi, ben, il faut que je l'accepte. Il faut que je l'embrasse même. Oh, quelqu'un va dire, on n'a pas atteint le niveau où tu as atteint. Vous devez atteindre le même niveau. Parce que sinon, vous n'irez pas là. Vous devez atteindre ce niveau, vous devez l'atteindre. Et le temps arrivé où vous devez l'atteindre. Vous ne devez pas attendre un mois, vous ne devez pas attendre deux jours. C'est aujourd'hui-là. Amen. Avant le soir, vous devez atteindre ce niveau-là. Amen. Parce que le Seigneur peut vous amener à ce niveau. Amen. Alors, on peut lire dans Romains 12 aussi. Et puis après, on va arriver à l'hypocrisie. Sur lequel on se fonde tellement. Dans Romains chapitre 12, c'est un passage que tout le monde connaît. Moi, depuis, je connais ce passage-là. Je le trouve tellement riche que j'aime bien le lire du premier au verset qu'au dernier verset. Mais ici, on va se contenter des versets 17 au verset 21. Voilà ce qui est écrit. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Amen. À personne. Ça passe entre les croyants, même le monde entier, autour de toi. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Même ça arrive dans les bureaux. Hein. Au bureau, là, il y en a qui sont foncièrement méchants, qui veulent vous faire du mal. On dit souvent qu'ils mettent des pots de banane pour faire tomber et tout. Mais vous n'allez pas faire la même chose envers eux.
Vous allez apprendre beaucoup de sales choses qu'ils vont dire de vous. Mais vous ne devez pas faire comme eux. Parce que si vous êtes un chrétien, vous devez prouver que vous êtes un chrétien. Écoutez bien, frère. Arrêtez, levez ici. À quel moment une fleur peut bien dégager son odeur? Tout le monde me regarde. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Quand ça, on écrase. Si vous n'écrasez pas la fleur, là, son odeur ne sort pas correctement. Mais si vous n'êtes pas écrasé, il faut qu'on vous écrase pour savoir quelle odeur vous portez. Il faut qu'on vous écrase pour qu'on sache que ce soit dans le foyer, que ce soit dans le travail, que ce soit à la maison, que ce soit partout, dans l'église. Il faut qu'on vous écrase. Il faut qu'on sache quelle odeur vous dégagez. Est-ce que vous dégagez une odeur de mort ou une odeur de vie? Qu'est-ce qu'il y a en vous? Parce que quand on va vous écraser, alors, la vie qui va transparaître là, c'est ça que les gens vont regarder. Si c'est une vie, une odeur qui mène à la mort, il n'a pas de vie en lui. Après, on l'a écrasé un peu, seulement voilà ce qu'il est devenu. Son odeur ne va pas du tout. Très chaud, il fait chaud quand même. Prenez courage. Oui. Son frère. Regardez dans la Bible, regardez dans les âges. On a persécuté les chrétiens. Les chrétiens n'ont jamais persécuté qui que ce soit. Amen. Prenez le modèle de Joseph. Ses frères l'ont haï, ils l'ont vendu, ils ont tout fait. Mais après, il aurait pu se venger d'eux. Prenez David et Saül. Saül l'a poursuivi pendant tout le temps. Et il avait même eu des occasions pour tuer Saül. Il a dit, moi je ne le tuerai pas. Qui sommes-nous? Alors, nous allons prétendre aller nous asseoir à la même table que David? Frère, nous allons prétendre que nous allons s'asseoir à la même table que David, dont la vie était en danger. On l'a poursuivi. Une amie entière le poursuit pendant des années pour le tuer. Frère, soyons chrétiens. Sœur, soyons chrétiennes. Ne soyons pas des religieux, des dénominationnels. Ne soyons pas des messagistes. Moi, je vous ai toujours dit dans le message, là. Il y a les messagistes et puis il y a des chrétiens dans le message. Amen. Le chrétien dans le message doit produire la même vie que ceux qui étaient des chrétiens avant. Amen. Si on ne peut pas produire cette vie-là, on n'est pas encore chrétien. S'il vous plaît. Prenons garde. C'est le temps de bien observer, de bien regarder, de bien nous examiner. Ce n'est pas mon frère. L'enlèvement, là. On est là pour l'enlèvement. Oui. On est là pour l'enlèvement. Frères et sœurs, les événements qui se produisent là nous disent simplement que les temps sont finis. Puis on s'attend à de grandes choses. Attention, hein. Poursuivons notre Romains 12, là. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec vous-même. Amen. Ah non, non, non. Sois en paix avec tous les hommes. Pas avec les frères ni avec les sœurs. Aussi longtemps que ça dépend de nous, nous devons être en paix avec tous les hommes, même ceux qui nous écrasent. Ceux qui nous méprisent, on doit être en paix avec eux. Parce que seuls les fils de Dieu peuvent apporter la paix. Amen. Si tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu là, tu dois aller. Et là, le Seigneur il envoie ses disciples et dit, si vous rentrez dans une maison, Dieu que la paix soit. Et si un fils de paix, votre paix ira sur lui. Amen. Donc le fils de paix là, c'est qu'il était là déjà avant. C'est ça. Il est fils de paix quand? Depuis la fondation de l'homme, il était fils de paix. C'est-à-dire quand vous rentrez dans la maison, vous dites que la paix soit, votre paix repose sur lui. Nous, on a dit que la bénédiction qui est sur toi repose sur nous et que notre bénédiction repose sur toi. C'est pas ça? Quand les frères arrivent, les soeurs arrivent, on ne le dit pas. Mais si on n'a pas la bénédiction, elle ne peut pas se reposer sur la personne. Si la personne n'a pas la bénédiction, elle ne peut pas reposer sur nous. Il faut que la bénédiction soit vraiment pour qu'elle soit transmise. Amen. Ce que la Bible dit là, frère, on doit l'expérimenter. Amen. Quand tu dis, frère, que la paix repose sur toi, la personne doit sentir que la paix dont tu as parlé là, il l'a reçue. Amen.
Nous sommes arrivés au stade, frère. C'est plus le moment du discours. Hein. C'est le moment de la vie. C'est-à-dire la parole de Dieu doit être une vie à nous. Qu'elle sort de ma bouche, là, elle doit être une vie. C'est vrai que quelqu'un, quand c'est frère Franck, frère Branham dit, quand une prédication sort et que les gens sortent, il n'y a rien qui touche leur cœur, c'est que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Parce que quand Dieu parle, les cœurs sont toujours touchés. Amen. Alors, on poursuit. Ne vous vengez point vous-même. Beaucoup de chrétiens se vengent. Moi, il est pour moi à Dieu. Je l'ai déjà vendu. Hein. Moi, il est pour moi à Dieu. Pourquoi tu l'aides pour toi à Dieu? Il faut garder ça par toi. Moi, je l'aide pour moi à Dieu. Pour moi, je l'aide à Dieu. En deux termes, que Dieu te tue et puis ils sont en paix. On doit que Dieu te rencontre ton chemin, moi, il sera en paix. Mais Dieu ne va pas te tuer. Il faut reconsidérer ta position. Il faut reconsidérer ce que tu as dit. Bien-aimé, c'est le temps où chacun de nous doit savoir qu'est-ce qui habite en lui. Qu'est-ce qui est en toi. De quelle source ce qui sort de ta bouche là, de quelle source ça vient. Frère, d'une même source, il ne peut pas sortir de l'eau amère et de l'eau douce. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas dire des mauvaises choses. Et puis des bonnes choses. Si des gens disent des mauvaises choses, sachez que l'Esprit de Dieu n'est pas en eux. Donc ne vous fatiguez même pas de considérer ce qu'ils disent. C'est normal qu'ils le fassent. Mais vous, si vous voyez que la même chose sort de vous, c'est que vous aussi, vous êtes au même niveau qu'eux. Ne vous vengez point. Bien-aimé, mais laissez agir la colère, car elle est écrite. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Amen. Aujourd'hui, pour ne pas savoir combien de personnes qui appellent, qui demandent des aides, pour ne pas savoir, hein. Ils ne sont pas tous ici. Hein. Et puis ne pensez pas qu'ils sont tous d'accord avec toi. Hein. Ils ont un besoin, ils vont appeler. Ils savent que tu peux les aider. Ils savent. Qu'est-ce que tu fais? Et tu sais que cette personne-là parle toujours mal de toi. Tu fais quoi? Tu le sais. Comme il parle mal de toi, tu vas le laisser mourir de faim. Il a un besoin, tu ne vas pas faire. Ce n'est pas à lui que tu fais. Tu le fais au Seigneur. Amen. Vous savez, je pense que c'est dans les sauts, frère Branham parlait, où un soldat, je crois que c'est Martin, un soldat, en plein hiver, a trouvé quelqu'un qui est couché là, pour nos soeurs qui connaissent bien la rigueur de l'hiver. Moi, j'ai vécu plusieurs moments de froid. La première fois, on est arrivé à Oklahoma City avec votre soeur qui est partie dans la gloire. On était à moins 12 degrés. Moins 12. J'ai encore les photos. La neige était comme ça. Vous voyez les chasse-neige là. Pour un chemin de 50 km, on a mis 2 heures de temps. Tellement la neige tombait. Quand on est arrivé, on était en bas de chemise simplement parce que déjà à Atlanta, on nous annonçait un très beau temps au Oklahoma. Donc on n'avait pas de problème du tout. Moi, je n'ai pas porté de veste et tout. Quand on arrivait, l'avion atterrissait. Je voyais une petite, comme un genre de petite, une fine poussière qui s'envolait. Nathan. Un pays américain comme ça, la nuit là, quelle est cette poussière qui est en train de s'envoler là? Alors que c'est la neige qui tombait en petite fine. Donc, les gens ont débarrassé rapidement la piste pour qu'on puisse atterrir. Et on atterrit, mais comme il y a des neiges qui tombent au fur et à mesure, t'entends bien, coucou. Mais attends, en Amérique encore, on a tout ça là. On sort, et le monsieur qui est venu chercher dit, mais c'est comme ça que vous êtes venu.
Il dit, mais il fait moins 12 degrés. Tout le monde est surpris, il fait moins 12 degrés actuellement. J'ai dit non. J'ai dit, moi, quand je voyage, dans mon trolley, j'ai toujours un manteau pour le froid. Et j'en ai aussi prévu pour ma femme. Et j'ai prévu, en même temps, ses gants. Quand on partait, tu prends tes gants. Parce que ces pays-là, moi, je n'ai jamais confiance. Et on arrive, moins 12 degrés. Moins 12. Donc, les ceux qui ont l'habitude du froid, ils savent bien ce que c'est. Donc, quand on en arrive ici, ton ennemi a fait faute de la manger, il a soif faute de la boire. En agissant ainsi, vous amassez des charbons ardents sa tête. Et ce passage, vous savez où l'apôtre a attiré ça? Il a attiré ça dans l'Ancien Testament. Vous savez bien qu'au temps où ils étaient sur la terre, là, les disciples de ce temps du Seigneur Jésus, ils n'avaient pas autre livre que l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament. Tout. Donc, pour revenir en arrière un peu, frères, sœurs, le temps est arrivé, franchement, de nous arrêter et de prendre garde à tous les actes que nous posons, à toutes les paroles qui sont dans notre bouche, à ce que nous écoutons. Nos oreilles sont des portes d'entrée qui peuvent faire très mal. Nos yeux sont des portes d'entrée qui peuvent faire très mal. Et la langue, alors, c'est la plus meurtrière de tout, les membres que Dieu a donnés. Donc, ici, l'apôtre Paul nous dit, on va le lire tout à l'heure, hein, c'est dans Proverbe 25, on va le lire. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En le faisant là, il ne faut pas dire Dieu n'a qu'à le maudire. Hein. S'il te plaît. Ne dis pas, moi j'ai fait ça, Dieu a te maudit. Non, 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 non. Vous savez, il y a une soeur qui a perdu son mari. Et puis elle m'appelle. Frère, si tu peux me donner une voiture. Je dis, mais alors, qui va conduire la voiture? Bon. J'ai voulu lui dire, loue un véhicule, je paye. Et puis, après, il me presse, mais attends, ton mari, là, on l'entend quand? Elle s'est dans très bon. Mais tu m'en as parlé, j'ai compris. Tu me laisses, quand le temps va arriver, je vais te venir. Et puis, le moment arrivé, je lui ai envoyé de l'argent. Elle a donné le nom de quelqu'un d'un autre, je lui ai donné de l'argent. J'ai envoyé de l'argent par les transferts, là. Et puis, je ne reçois pas de message. Alors, je me suis dit, la personne a reçu l'argent, est-ce qu'il a dit ça, oui ou non? Parce que moi, j'ai peur que l'autre détourne cet argent, après ça arrive. Alors, je l'appelle, elle. Elle dit, oui, on lui a dit que l'argent est arrivé, mais elle était au village. Et bon, que, pour moi, c'est pour savoir si tu as reçu de l'argent, c'est tout. C'est rien d'autre. Jusqu'aujourd'hui. Mais j'ai dit, gloire à Dieu. Parce que si elle me dit merci là, j'ai reçu ma récompense ici. Ah, mais disons-moi merci, j'attends ma récompense de l'autre côté. Mais je veux m'assurer qu'elle a son argent. C'est tout. Mais comme je dis, tu ne peux pas savoir combien de personnes qui demandent. Et je me suis mis à calculer. Si je vais continuer, je peux dépasser près de 1 million dans le mois. Ah, même en attendant la retraite. Oui, frère. Mais aussi longtemps qu'on peut le faire, on le fait. Faites-le. Faites-le simplement. Et je vais vous dire une chose. Plus vous le ferez, plus vous en recevrez. Amen. Moi, je me laisse toujours conduire. C'est comme quand je vais au village. J'arrive à Domotezo, je peux trouver plusieurs personnes. Il y a un moment, je m'arrête carrément. Puis je les vois dire, venez monter. Je suis seul dans la voiture, venez monter. Il y en a un qui me connaissent pas. Ils sont du village, mais ils ne me connaissent même pas. Et puis après, ils demandent, comment tu t'appelles? Et puis, il parle français. Je fais ce qu'il parle français. Et puis, quand j'arrive maintenant à Paris de Domino, tu descends ici. Là, je parle la langue. Elle dit, ah, tu parles Ngato? Je suis Ngato, je suis Dakouré. Je suis le grand frère de telle personne, telle personne, telle personne. Ah, c'est maintenant qu'on comprend. On te regarde, mais... Mais quand, dans mon cœur, là, il vient de me dire de prendre quelqu'un, je passe simplement.
Laissez-vous conduire par Dieu dans tout ce que vous faites, frère. C'est le temps de marcher et de savoir la volonté de Dieu à tout instant de votre vie. Donc, si on poursuit, dit, si tu donnes la faim, donne-la à manger. Si la soif, donne-la à boire. En agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Je sais que Vitune est une sollicité aussi. Vicky, autant tu peux donner, il faut donner. Ne regarde pas la personne. Si tu ne peux pas donner, tu n'en as pas à donner, tu n'en as pas. Mais c'est dans ta main. Vous savez, un jour, quelqu'un a posé une question. Est-ce que on peut se dépouiller entièrement pour quelqu'un? Et puis il a dit non. Qu'on doit donner que son superflu. J'ai dit, frère, tu n'as pas bien répondu. Hein. La Bible dit qu'il faut donner ta subsistance à la main indigente. Ta subsistance, là, il faut la donner à la main indigente. C'est-à-dire la personne qui n'a rien du tout là. Tu peux lui donner. Et comme je disais, plus vous donnerez, plus vous recevrez. Plus vous donnerez, plus Dieu vous le rendra. Quand Dieu vous le donne, alors vous avez la possibilité de donner toujours. Quand vous avez la possibilité de donner, vous le faites. Il va vous le donner pour vous le donner. Mais si vous retenez, Dieu s'y va retenir. Même ce qui est pour vous là, il va retenir ça. S'il lui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, qu'est-ce que nous ne devons pas faire, nous, frères? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Je lis juste le psaume 20, le proverbe 25, et puis on va passer à l'hypocrisie, là, rapidement. Lisons le proverbe 25, et puis on va passer à la définition au passage. Moi, on va définir, on va lire simplement les passages qui concernent le mot. Il faut qu'on comprenne. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on doit comprendre. Proverbe 25, proverbe chapitre 25. Proverbe chapitre 25. D'où l'apôtre Paul a cité ce passage-là. Proverbe 25, 21, 22. 25, 21, 22. Donc, depuis l'Ancien Testament, le Seigneur a donné cette instruction. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. Amen. Ici, c'était précis. Donne-lui du pain à manger. Parce que pour ceux qui sont occidentalisés, ils savent bien que le pain est un aliment très apprécié. C'est pas vrai, c'est Nicole. Pour ceux qui ont lu Germinal, quand ils étaient en classe de première, ils savent que le pain, c'était la source d'alimentation. Et le pain, on le fait sous toutes les formes. Même en Israël, vous verrez bien que quand Abraham a reçu les trois hôtes, qu'est-ce qu'il a donné? C'est du pain. Quand Melchisédek a rencontré Abraham, c'est du pain et du vin. Donc partout, vous allez voir que le pain, c'est l'aliment. C'est pour ça que quand on lit la Bible, on se dit, je suis le pain de vie. Celui qui me mange n'aura jamais faim. Je suis le pain de vie. Et le pain, c'est l'aliment, c'est un aliment. C'est pour ça qu'ici, il est écrit, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain. Et le Seigneur a donné l'exemple. Il dit, si tu dois à tes enfants qu'un de tes amis arrive très tard la nuit et qu'il frappe la paix, vous te demandez, parce qu'il y a un étranger qui est arrivé et qui boit du pain. Mais c'est ton ennemi, ton ami, tu ne vas pas te lever pour ça. Mais comme il t'importune, tu vas te lever pour lui donner le pain. Parce que quelqu'un est venu pour qu'il puisse manger. Donc, le pain est l'aliment principal. Et c'est vrai. C'est pour ça qu'ici dit, si ton ennemi a faim, donne du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Il n'a pas dit donne-lui à boire, il dit donne-lui de l'eau à boire. Il n'a pas dit de donner du vin. Donne-lui de l'eau à boire. Et puis il continue. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Et l'Éternel te récompensera. Amen. Ici, il ajoute, et l'Éternel te récompensera. Toi, tu as fait ce que Dieu veut. Écoutez-moi bien, frère. Ce n'est pas vous. Dieu vous a dit de faire, vous le faites. Amen. Pour accomplir la volonté de Dieu. Le reste, ça lui regarde. Le reste, là, c'est lui qui décide. Celui qui fait.
Mais vous devez faire ce que vous avez à faire. Donc, bien aimé frère, ne retenez pas aussi longtemps que vous pouvez rendre. Ne retenez pas du tout. Donnez quand vous pouvez donner. Priez. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'escrocs, il y a beaucoup de personnes, même au milieu des enfants de Dieu, il y en a tellement qui sont faux. Vous avez vu quand je disais à l'église là-bas, faites attention, faites attention. On pensait que j'étais trop difficile. Parce que je savais qu'il y a des personnes qui arrivent juste à 11h, 11h30. Sachez qu'après ça, là, il y a la queue, ils se mettent dans la queue, ils vont chercher de l'argent. La fois, il y a quelqu'un qui disait, bon, en réunion, Frère Badi nous a dit ça ici, on n'a pas voulu écouter. Maintenant, voilà, ça s'impose à nous. On est obligé de faire comme Frère Badi a dit. Mais on ne peut pas passer outre la Bible. Frère, on n'achète pas la foi des frères et des sœurs. Moi, j'ai connu des gens. Moi, quand j'étais étudiant, qui connaît la cité des étudiants à Bobo? Et qui connaît l'église de Villabzi? On marchait. Quand il n'y a pas d'argent là, on quittait là-bas. On marchait, on venait, on marchait, on partait. On ne demande pas l'argent à l'église. On ne demande pas l'argent à l'église. Hein? On quitte là la cité, on marche. Très tôt le matin, on quitte, on marche jusqu'à on arrive là, à l'église. On finit, quand on a fini, on prend nos bagages. Sous le soleil là, on marche jusqu'à là. Et comme on est étudiant, on sait que, bon, on a nos tickets, on va aller manger. Voilà, on va prendre nos tickets, on mange et puis on dort. Mais pour venir à l'église là, on marche. Et il y avait un vieux frère qui avait carrière, Yopougon, derrière là-bas. Un vieux. Il marche de Yopougon qui arrive dans la même ville. Alors, un tel homme, quand il arrive là, tu sais que il est venu pour jouer? Non! Il quitte les marches jusqu'à l'église. Il ne dit pas à quelqu'un qui n'a pas d'argent. Il marche, il vient là. Et quand le culte finit, il marche pour partir. C'est le jour où on a découvert que ce vieux machin qu'on a dit, papa, il dit non. Non. Viens. Tiens l'argent, paie ton transport. Parce que si tu marches pour venir, tu marches pour partir, à la maison, comment ça se passe? C'est ça qu'on lui a donné l'argent. Il a dit non, prends l'argent, vas-y. Prends ton transport, paie ton transport, va et puis mange, achète à manger. Mais il n'a jamais demandé un franc à qui que ce soit. Alors quand on paie la foi des gens, je dis mais est-ce qu'on veut montrer aux gens qu'on est libéral ou on veut acheter la foi des gens, on veut détourner leur foi de la vérité? Parce qu'il faut pousser les gens à connaître Dieu. Il faut amener les gens à connaître Dieu. Il faut fixer leur regard sur la capacité de Dieu à pouvoir aux besoins. Amen. Aussi, on ne peut pas faire ça. C'est qu'on va empêcher les gens d'avoir la foi. Je dis à l'homme, j'écoutais un de mes frères, il dit aujourd'hui, vous savez, les chrétiens ont fait une chose. On leur a donné la puissance pour la guérison divine. Ils ont transféré ça dans le cabinet du médecin. De sorte qu'il ne prie même plus, il ne jeûne plus. Quand quelqu'un est malade, la première réaction, bam, à l'hôpital. Quelqu'un est malade, bam, chez le médecin. Quelqu'un est malade, bam, à la pharmacie. Donc vous allez transférer tout à l'officine, chez le médecin. Donc les promesses de la Bible ne vous concernent plus. Mais si vous n'avez pas la foi pour obtenir votre guérison, comment on peut avoir la foi pour être enlevé? Aussi, ça veut dire que souvent, je suis embêté, moi, mais souvent, on accepte vraiment facilement le décès. Un frère est mort, une soeur est morte. Bon, on accepte facilement. On ne dit pas, frère, réunissons nos pouvoirs, parce que ça, la seule facile, on ne peut pas laisser partir le corps. On va prier. Pourtant, il a dit, si deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose à mon nom, je le ferai. Mais essayez un jour. Mais essayez un jour. Frère, on ne peut pas le faire parce que là, on ne se sent pas capable de le faire. Nous devons voir qu'on a une défaillance là. Hein? On a une défaillance. On n'est pas capable de dire, on va garder le corps pour appeler tel frère. Comme j'ai dit à un frère, j'ai dit, vous savez frère, aujourd'hui, on ne reconnaît pas ceux qui ont un ministère, on ne reconnaît pas ceux qui ont un don, on ne connaît pas. Si on connaissait, il y a des situations bien précises, on va dire à telle personne là, Dieu a donné quelque chose, appelons-le. Ça prouve qu'on manifeste notre foi envers ce que Dieu a donné à cette personne. Amen. On va l'appeler. Et quand il va arriver, Dieu va le faire parce que
On croit que par lui, là, Dieu va le faire. On croit. Mais aussi longtemps qu'on ne croit pas, bon, on peut rien obtenir. Regardez bien l'éducat. Comment il s'appelle? C'est Dorcas. Dorcas, Dorcas est décédé. On a pris que Pierre dans les parages. On a gardé le corps. Envoyez chercher Pierre. À Jopé. Amen. Pierre arrivé. On lui a montré tout ce que Dorcas faisait. Voilà les lignes, voilà tout ce qu'elle faisait, voilà tout ce qu'elle faisait. Ah, qu'elle était vivante, voilà tout, voilà tout, voilà tout, voilà tout, voilà tout. Pierre les a chassés. Il est resté dans les ans. Il a prié. Il a parlé. Après, il a dit, la voilà. Amen. La voilà. Frère, est-ce que c'est pas... Moi, je me pose une question. Est-ce que c'est le même Dieu que nous servons? Parce que le message de la Bible dit, ça doit nous retourner à la foi de nos pères apostoliques. Si cela ne peut pas nous en ramener à la foi de nos pères apostoliques, nous avons échoué. Ne pensez pas que c'est dans la vie de Frère Branham seulement que ça doit se passer. Ni dans la vie de Frère Franck seulement. Non, non, non. Si nous appartenons à Christ, les dons, les ministères n'ont jamais été annulés dans la Bible. Non. Point du tout. Point du tout, alors là, point du tout. C'est nous qui sommes faibles. C'est nous qui sommes négligents. C'est nous qui vont prendre en possession de la porte que Dieu nous a donnée. C'est nous. Mais si les choses dont nous parlons là sont en nous, comment vous voulez que Dieu nous exauce? Frère, si des choses simples dont nous parlons maintenant ce matin sont en nous, comment voulez-vous que Dieu nous exauce? Comment voulez-vous que Dieu nous écoute? Comment voulez-vous? Prenons garde. Amen. Le temps est arrivé où nous devons, frère, nous devons serrer toutes choses. Nous débarrasser de tout. Alors, maintenant revenons. L'élément sur lequel souvent s'assoit. Moi, je ne suis pas hypocrite. Donc, quand la personne arrive là, je sais que la mal parle, puis maintenant vient devant les autres faire comme chaud là. Et moi, je ne suis pas hypocrite. On va voir qu'est-ce que veut dire l'hypocrisie. Ça va nous aider. Je pense que ça va nous aider vraiment à comprendre que, ah, est-ce qu'on a la position qu'on a prise là, est-ce que ce n'est pas elle qui est hypocrite ou bien c'est la position de l'autre qui est hypocrite? Alors, d'abord, je vais vous dire une chose simple. L'hypocrisie, c'est refuser de faire ce qui est bon, qu'on sait être bon. Et je vais vous donner des passages. On va le lire tout de suite. Je vous le définis. L'hypocrisie, là, c'est que moi, je sais ce qui est bon, je ne le fais pas. Donc, c'est moi. Hein. Je le mets à mon niveau. Parce que moi, c'est moi qui parle de l'hypocrisie. Donc, je me mets à ce niveau-là. Je sais ce qui est bon, je ne le fais pas. Je ne parle pas à lui. Alors, vous allez voir ça tout de suite. On va lire certains versets que vous comprenez. Je vais lire les grands reproches du Seigneur aux pharisiens et aux sadducéens. Je ne sais pas si c'est dans Matthieu 23, Matthieu 25, Matthieu 15. Laissez-moi regarder le plus long passage. C'est dans Matthieu 23. On va regarder dans Matthieu 23. C'est le plus long passage. Du verset 13 au verset 31. C'est le plus long. Matthieu 13. Matthieu 23 plutôt. Prenez Matthieu 23. Vous allez voir. Et puis, je vous pose les questions. Après ça, c'est les questions, on va les poser. Hein. Moi, je vais arrêter tout de suite. On va passer à des questions. J'ai lu la partie du verset. J'ai dit 13, non, c'est ça? Prenons le verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Oh, le premier mot, hypocrite. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y rentrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Pourquoi sont-ils hypocrites? Pourquoi les gens ont dit qu'ils sont hypocrites? Parce qu'ils savent que la porte du royaume de Dieu est ouverte. Eux-mêmes, ils ne veulent pas rentrer. Ils veulent empêcher les autres d'entrer. Ça veut dire qu'ils les appellent hypocrites. Ils savent bien que c'est bon de rentrer dans le royaume. Mais ils ne veulent pas. Ils veulent empêcher les autres d'entrer. Ça, c'est le premier élément. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Parce que vous dévorez les maisons des veuves. Et que vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela, vous serez jugé sévèrement. Or, on vous dit, le soutien des veuves, c'est qui? C'est Dieu.
Mais vous leur partez dévouer leur maison. Vous partez peser sur elles. Alors qu'elles ont besoin d'être aidées, d'être soutenues. Vous ne partez pas les soutenir. Vous partez leur créer des problèmes. Et puis vous êtes heureux. Or pourtant vous savez bien que c'est elles qui ont besoin d'aide. Vous le savez. Mais vous ne le faites pas. On peut poursuivre. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire des prosélytes, et qu'il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous. Ça se passe de commentaires, frère. Vous partez chercher les gens, pourquoi pas chercher les gens? C'est pour en faire de la vie de Dieu. Mais quand ils arrivent là, vous leur fermez la porte. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Entre l'or et le temple, quel plus. Insensé aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle. Lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu. Et par celui qui est assis, malheur à vous, scribes pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Vous comprenez? Ils connaissent ce qui est plus important dans la loi, hein? Mais ça ne les intéresse pas. C'est la dîme. La dîme de ceci, la dîme de cela, la dîme de ceci, la dîme de cela. C'est ce qui est important pour eux. Ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. Mais vous connaissez ça, mais vous ne mettez pas l'accent sur ça. Dites aux gens d'être miséricordieux, d'être juste, d'être fidèle. Ça, vous ne leur apprenez pas ça. Et le gars est venu payer la dîme. Le gars est venu payer la dîme. Le fait de payer la dîme, n'importe qui peut payer la dîme. Mais ce n'est pas ça que Dieu regarde. Dieu regarde à ceux qui sont miséricordieux. Amen. À ceux qui sont fidèles. À ceux qui pratiquent la justice. Ce n'est pas écrit dans Apocalypse 22. Il dit que les justes pratiquent encore la justice. Amen. Que les saints se sanctifient encore. Amen. Mais que les injustes aussi pratiquent encore l'injustice. Et que les souillés se souillent davantage. De sorte qu'il y a une différence nette entre les uns et les autres. De quel côté nous classons-nous? On peut aller? Conducteur aveugle, qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors que dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. La partie la plus importante, vous devez nettoyer là, ça ne vous intéresse pas. C'est ce que tout le monde voit là. Que vous voulez embellir. Quand le Seigneur disait ça, aujourd'hui on lit, ça ne nous choque pas, certainement peut-être. C'est faux? Ça ne nous choque pas. Mais autant le Seigneur là, le dit aux gens qui étaient là, on voit dire, cela n'a pas de respect pour les gens. Pourtant c'est leur nature. Alors, mettez-vous là. On va continuer pour lire. On découvre bien le mot hypocrisie là. Qu'est-ce que c'est? Si tu sais ce qui est bien que tu ne le fais pas, tu fais le contraire, alors tu es hypocrite. Pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes pharisiens hypocrites. Parce que vous ressemblez
à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Vous, de même, au-dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? On poursuit? On regarde à Matthieu 15, le verset 1 au verset 9. On avait lu ça la fois dernière, mais j'aimerais revenir encore là-dessus. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? C'est important, hein? Pour eux, la tradition des anciens est tellement importante. Quand ils ne se lavent pas les mains, quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Quand Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. N'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions hypocrites. Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Est-ce que c'est un peu plus clair ou bien c'est pas plus clair? L'hypocrisie. J'ai encore deux passages. Hein. On va regarder. On peut lire Matthieu 12. Matthieu 12, verset 1 à 3. On avait déjà lu la même chose. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu ?» et mangea les pains de proposition qu'il n'était pas permis de manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Vous n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Et si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'aurez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Amen. Bien-aimés frères, le mot même « hypocrite » veut dire « dissimulation »,« caché ». Je sais qu'il y a des littéraires ici, je prends le risque de leur dire « hypocrite » veut dire hypocrite veut dire dissimulation. Les choses qu'on veut cacher. Maintenant, regardez le grand reproche de Paul, le grand Paul au grand Pierre, dans Galates, chapitre 2. Et je vais peut-être m'arrêter là pour vous dire, si vous avez des questions, il y a encore des passages, mais on va s'arrêter là-dessus. Je vais vous laisser, si il y
y a des problèmes de compréhension. On va examiner ça ensemble. Je n'ai pas... Il faut qu'on termine cette affaire une bonne fois pour toutes. Lisons dans Galates chapitre 2, verset 11, verset 14. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elle fut venue, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas bien, qu'il ne marche pas droit selon la vérité, je relis, voyant qu'il ne marche pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Pourquoi il a dit qu'il est hypocrite? Pourquoi il a dit que Barnabas aussi a été en train d'aller hypocrisé? Parce que Pierre a eu peur des autres. Il savait qu'il pouvait manger les frères. Il n'y avait pas de problème. Mais quand des gens autour de Jacques sont arrivés, pour ne pas qu'on les accuse d'avoir mangé avec les païens, alors ils se mettent à l'écart. Mais où est l'amour? L'amour qui doit unir les frères là, où est le passé? Alors, tous les juifs ont fait la même chose. Dès que Pierre a fait, tous les autres l'ont suivi. Barnabas aussi s'est mis à l'écart. Et l'apôtre Paul dit, il ne marche pas droit selon la vérité de l'Évangile. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils sont hypocrites. Ils connaissent la vérité de l'Évangile et ils ne marchent pas selon ça. Alors, bien-aimés, dans cette situation que nous connaissons là, nous connaissons également la vérité de l'Évangile. Amen. Si vous faites le contraire de la vérité de l'Évangile, c'est nous qui sommes hypocrites. Évitons d'être hypocrites. Amen. Ne me dis pas, là j'attends des questions, ne me dis pas, comme je sais qu'il se comporte comme ça, s'il vient, moi, je ne peux pas être hypocrite en faisant semblant de le saluer. Je suis hypocrite, oui, je vais répondre, je vais être hypocrite, je vais lui donner la possibilité, lui là, moi, il fait ses puits, il vient me saluer devant tout le monde ici, comme ça. Moi, je ne suis pas hypocrite, je vais saluer comme ça. Alors, allons-y, maître. J'ai une première question. Il faut qu'on évacue ça, là, une bonne fois. Alors, j'ai une première question qui va concerner la situation de l'Église de Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Prenons le cas des mariages. Mm-hmm. Dans la situation actuelle, mm-hmm. je reçois une invitation mm-hmm. à un mariage. Mm-hmm. Alors que je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses qui se pratiquent. Mm-hmm. Quand je n'y vais pas ou je m'abstiens, je suis dans quel cas de figure? Bon, ça n'a rien à voir avec l'hypocrisie dont on parle. Je m'explique. Léon, tu as la Bible et on ne veut pas obéir à la Bible. Si on ne veut pas obéir à la Bible, c'est de mon droit de ne pas marcher avec ça. Mon droit, mon devoir, c'est de marcher avec ce qui est biblique. Amen. Si je me rends compte qu'on pratique une chose qui n'est pas biblique, je ne me mêle pas. Tu sais bien que moi, je ne me mêle pas à beaucoup de choses dans le mariage. Parce que je ne trouve pas ça biblique. Aussi longtemps que ce n'est pas biblique, je ne m'y mets pas. La fois dernière, je vais vous dire une chose. Il y a un jeune homme qui est venu déposer un cas de mariage ici. D'accord. Malheureusement, je n'étais pas là. J'étais là-haut. On n'a pas voulu qu'il me rencontre. S'il m'avait rencontré, j'aurais lui dit, mais est-ce ton père qui t'a demandé de venir me donner ça? Pourquoi? Parce que quand il partait faire la dot, tu n'es pas venu me dire que tu vas te faire la dot. Tu as fait le vœu, tu as fait la dot. Et depuis un temps, moi j'ai rencontré ton père à tout moment. Personne ne m'a dit qu'il y a un mariage. Et maintenant tu m'envoies une carte de mariage pour aller à ton mariage. Je fais quoi?
Si je veux que ton père me chasse, il va me dire, je ne t'ai pas invité. Je fais quoi? Mais si tu avais rencontré, il me pose la question, est-ce que ton père t'envoie vers moi ou bien c'est toi qui es venu? Je lui dis, c'était ton père. Va voir ton père. Est-ce qu'il est d'accord que je vais à ton mariage? Parce qu'il ne m'a jamais dit que tu te maries. Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas bibliques, les gens pratiquent, tu ne l'es pas tenu. Moi, j'ai été pris au piège pour un mariage où j'appelle ça une régularisation. Vous connaissez ma conduite. Mais je suis parti à cette régularisation parce que la personne dont la fille se marie est très proche de moi. Mais quand on est arrivé, on m'a appelé pour que je vienne prier pour la personne. Pour ne pas déshonorer, créer des problèmes parce que là, ça allait être un scandale. Je suis allé. Mais après, j'ai fait comprendre que je ne suis pas d'accord avec ça. Deuxième question. Non, il me donne, il va finir la deuxième question. Oui. Non, il faut donner la deuxième. Il veut dire d'abord ça. Moi ce n'est pas une question. Je veux dire, je suis très heureux. Parce que Dieu m'aime. Amen. Dieu m'aime à deux titres. Le fait même que je vienne prier ici, c'est un signe pour moi. Parce que cette nuit, vous connaissez, pour ceux qui sont proches de moi, connaissent ma condition, un peu, je veux dire, biologique. Je suis un peu entre deux familles. Et je viens de perdre ma petite soeur, pour ceux qui ne sont pas encore... J'ai même annoncé ça tout à l'heure. Voilà. C'est tellement difficile en ce moment. L'attitude que les gens ont vis-à-vis de moi, je suis tellement peiné. Et partout où je vais, c'est comme si, les gens du monde même, comme si c'est des gens qui sont devenus chrétiens. Chacun me bénit, chacun me dit, regarde à Dieu, tout et tout. Je suis tellement troublé. À 3h, entre 2h ou 3h du matin, ma femme peut préciser ça. Je me suis levé et je lui ai demandé de prier pour moi afin que Dieu m'aide à ne pas être hypocrite, à accepter, à pardonner, à vivre ce que la Bible dit. Amen. Et à peine on a fini, moi j'ai fini de lui dire tout ça, elle prie, elle fait un songe, que Dieu lui répond. Immédiatement, elle peut vous le dire. J'arrive ce matin ici, on a une ligne de conduite, on saute la ligne de conduite et on parle de ma vie. Je ne peux que dire merci au Seigneur. Et la réponse que Dieu lui a donnée, il lui a dit, c'est déjà fait, Dieu a déjà tout prévu, c'est réglé. J'arrive, je ne peux que dire merci au Seigneur. Pour dire, on est dans le vrai. Amen. Ça, Dieu parle. Dieu parle. À 3h du matin, 2h, 3h, c'est ce qui s'est passé dans ma maison. Ce qui est en train de se faire ici, c'est ce qui s'est passé dans ma maison. À peine elle a fini de prier, qu'elle fait un songe où Dieu lui répond en même temps. Et on vient ici, il répond encore. Je suis heureux. C'est ça, je dis. C'est pas une question. Je veux manifester ma reconnaissance à notre Dieu. Voilà. Merci. Tu as absorbé? J'avais dit première question. Et la deuxième est liée à la première. Mm-hmm. Alors, tout à l'heure, on dit, si ton ennemi, bon, on n'est pas dans le cas de l'ennemi ici, a faim, donne-lui à manger. Ouais. S'il a soif, donne-lui à boire. Et on n'est pas dans la petite... S'il a faim, donne du pain à manger, s'il a soif, donne de l'eau à boire. Maintenant, ma question, puisqu'on est dans le cadre de l'hypocrisie, c'est-à-dire celui qui, comme moi, peut-être ne croit pas la même chose, mais qui a des situations, que ce soit de joie ou de peine, et qui m'invite, est-ce que sur la base de cela, je peux quand même l'assister ou participer à ces événements-là? Je ne sais pas si c'est ma Je peux comprendre ce que tu veux. Voilà. Donc, je reviens pour terminer sur ce que j'avais dit. Commence. Non, je disais oui. Que dans les cas d'événements heureux ou malheureux, mm-hmm. touchant des frères ou des personnes avec qui on ne marche plus d'un même pas, mm-hmm. et auxquels on est invité, est-ce que, en regardant la position
que ce soit du sacrificateur, du lévite ou du publicain, est-ce qu'on doit participer? Maintenant, je te pose une question, moi. Mm-hmm. Non, la question va revenir, donc je dois répondre. Tu te trouves dans une situation où tu dis à cette personne-là, on n'est pas d'acquaintance. On n'est pas de communion. Dis-moi, tes voisins qui sont à côté, tu as communion avec tout le monde? Non. Bon. Si tu invites pour une situation précise, tu vas ou tu ne vas pas? Je m'en vais. Si tu peux partir, tu vas. Mais ne va pas parce que tu as quelque chose contre, que tu sais que cette personne a quelque chose contre toi. D'accord. Ne rejette pas parce que tu sais que cette personne a quelque chose contre toi. Si tu as l'impression de partir, tu pars. D'accord. Moi, il m'arrive de dire, à la mairie, je vais à la mairie, mais je n'irai pas à l'église. Oui. D'accord. C'est clair. Parce que je n'ai même pas pied à l'église, donc je ne vais pas à l'église. Mais je vais à la mairie. Moi, ma présence même là dérange les gens. Quand j'arrive au milieu de la mairie, tout le monde a peur. Tout le monde est paniqué. Tout le monde est tétanisé. Bon, mais je vais. J'ai été la fois dernière pour le faire Lambert, là. Quand ils arrivaient, tout le monde était tétanisé. Quand je suis sorti, je dois partir. Il dit bon, pour laisser les gens en paix, il dit bon, ok, on a fini, je vais partir. Que Dieu vous bénisse. Il y en a qui sont sautés, qui ont sauté sur mon cou pour m'embrasser. Pour... J'ai embrassé tous mes pieds, je suis parti. Après, je suis parti, que d'autres sont venus. Alors qu'un tétanisé, ils ne sont pas venus. Bon, frère, moi je dis, soyons chrétiens. Et puis, laissons de nous conduire. Quand il y a une situation, prions et ayons la pleine conviction de ce que nous faisons devant Dieu. Ne le faisons pas par a priori, mais par, comment je peux appeler ça, sous prétexte. Mais prions que vraiment dans nos cœurs, là, on soit libre de faire la volonté de Dieu. Oui, ma soeur, disais que tu prépares ta question, je regarde ça. Non, je regarde devant moi, tout droit devant moi d'abord. Il n'y a pas de questions. Bon, d'accord. Vas-y. Frère Badi, que le Seigneur te bénisse. Amen. Je crois que ce matin, il est passé par toi pour nous parler. Amen. Parce que moi aussi, j'ai besoin d'être délivré ou bien compris pour moi. Parce que je vis exactement la même situation que le frère Jean-Marie. Mm-hmm. Et vraiment, c'est d'une ampleur catastrophique. À tel point que souvent, je me dis, mais est-ce que je suis dans le vrai? Qu'est-ce que je fais? Parce que ce n'est pas facile du tout. Vous savez, vous vivez avec des gens qui, devant vous, sont des personnes après, et qui vous choisissent, comme il le dit si bien. Ouais. Parce qu'ils ont besoin de toi que... Parce qu'ils ont besoin de toi. Mais en retour, tu le fais, est-ce que tu fais semblant? Est-ce que tu es hypocrite? Je ne sais pas. Alors, donc, je souhaiterais que vous priez pour moi parce que vraiment, je suis dans le même cas que le frère Jean-Marie. Ce qu'on doit faire, je reviens en arrière. Est-ce que je reviens en arrière pour dire, frère, nous, en tant que croyants, devant toute situation, la première des choses qu'on doit faire, c'est de prier vraiment d'abord. De prier et d'être convaincu de ce qu'on fait. Ne le faites pas des choses comme ça. Priez et soyez convaincus de ce que vous faites. Parce que ce que nous avons lu là, c'est la Bible. Hein. Ce n'est pas une chose que moi j'ai créée, j'ai fabriquée. Non. On est dans une situation où on veut être enlevé. Et on doit être parfait comme notre Père, c'est parfait. Cette perfection-là, c'est le Saint-Esprit ce qui l'a envoyé. En tant qu'humain, on ne peut pas, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Mais si on consulte Dieu, il nous fera faire ça. Et puis on sera heureux d'avoir fait. Parce que si on le fait en murmurant, il n'y a pas de bénédiction qui accompagne. Ce que je vais faire voir. Si on le fait en murmurant, il n'y a pas de bénédiction qui accompagne. Mais si on le fait en étant heureux, quoi qu'on sache que c'est difficile, on le fait, mais la bénédiction, Dieu le fera. Dieu nous donnera la bénédiction. Et ça, c'est important. C'est très important qu'aujourd'hui, on en arrive vraiment au stade où notre cœur est en paix avec qui que ce soit. Qui que ce soit. Mais soyons convaincus qu'on fait ce que Dieu nous a dit de faire. C'est ça qui est important. On est en train de faire une chose, non pas parce que pour plaire, non. Écoutez bien, frère, ne faites rien pour plaire à quelqu'un. Peut-être qu'il faut que je mette ce bémol. Ne faites rien pour plaire aux hommes. Faites-le pour plaire à Dieu et accomplir la volonté de Dieu. Si dans votre cœur vous n'êtes pas convaincu par Dieu que vous devez le faire, ne le faites pas. Avant de le faire, priez, soyez certain que vous accomplissez la volonté de Dieu et que vous n'attendez rien en retour. Rien en retour. De sorte que votre Dieu là, il va être content de vous pour aller comme ça. Il va dire, mes enfants ont obéi à ma parole et en retour, moi je vais les bénir. Parce que c'est ça
C'est pour ça que j'ai fait exprès pour l'amener voilà, ce problème de mariage entre femme et homme dans le foyer. Aime ton mari, sois soumise à ton mari en toutes choses, ou aime ta femme comme toi-même. Ce n'est pas l'un ou l'autre qui demande. C'est Dieu qui a dit. Dans la mesure où c'est Dieu qui parle, on laisse Dieu faire. Maintenant, si moi je dois accomplir, je le fais comme Dieu me le demande. Comme j'ai dit la fois dernière, si un homme qui n'est pas converti demande à sa femme qui doit être soumise en toutes choses, d'aller faire des choses qui ne sont pas bibliques, elle n'est pas obligée de le faire. Et toi également, tu dois prier pour savoir, Seigneur, ce que tu dois faire là. Est-ce que je fais ta volonté, oui ou non? Ou je fais ça parce que je plais à quelqu'un? Ça plaît à quelqu'un, ça ne sert à rien. Parce que tu auras déjà reçu ta récompense. Je regarde à gauche, il y a une question? C'est la seule. Ah, la seule. Oui, c'est Nicole, allons-y. Juste pour parler de l'hypocrisie. En fait, hier, j'avais reçu de la visite et puis on a eu une vive discussion avec les personnes avec qui je suis. Pas le fort, hein? Alors, on a tellement discuté. Je savais que la position que j'ai prise dérangeait beaucoup de gens. Mm-hmm. Ce qui fait que je devais être claire dans mes propos sans faire la langue de bois. Mais après, quand ils étaient partis, j'étais tellement un peu attristée, brisée oui. dans mon cœur. Je me suis dit, je veux parler avec Monique de ça. Mais quand j'ai voulu parler avec Monique, le Seigneur m'a repris directement de ne rien dire. Je ne pouvais plus rien dire. C'était tellement lourd pour moi. J'ai dit, quand Monique sera là, je veux lui parler avec elle. Peut-être ça va un peu me soulager. Mais directement, le Seigneur m'a repris. Il dit, tu fermes ta bouche. C'est lui qui calomnie son prochain. Ne peut pas hériter de la vie. La vie. Frère, ça m'a repris seulement comme ça. J'ai dit, ok, je ne serai pas hypocrite. Je veux souffrir. Je vais garder ça pour porter ça pour moi. Pourvu que je leur ai répondu, ils ont compris ce que je voulais leur dire. Et je ne suis pas hypocrite. Non. Je suis sincère. Non, mais ce que tu as fait, non. Tu n'es pas hypocrite. Il y a une situation qui est là. Tu prends une position, tu regardes de la Bible, tu fais ce que Dieu te conduit à faire. Quelqu'un peut venir te contrarier. Tu lui diras, ma position, c'est ça. Point final. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Je ne plais pas à quelqu'un. C'est-à-dire que si maintenant, comme la personne a parlé, je vais vers avec la personne pour lui faire plaisir, sachant que ce que je fais n'est pas la vérité, alors je suis hypocrite. C'est dans ce sens que je dois devenir hypocrite. Mais j'ai une position qui est claire. Je pense que devant Dieu, je fais une chose qui est correcte. Je ne dépends pas de quelqu'un. Oui, en disant cela, c'est parce que je voulais parler avec Monique de ça. Mais je ne te parle pas de quelqu'un. Parce que ça allait être encore une médisance de plus et ça allait encore créer des racines. Oh, tu as déjà donné ta réponse aux personnes concernant. Oui. C'est fini. Voilà. C'est une affaire. C'était très clair devant les personnes, c'est tout. Voilà. À eux de prendre ça comme ils veulent, mais tu as parlé. C'est tout. Voilà. Maintenant, s'ils veulent te fréquenter, ils te fréquentent. S'ils ne veulent pas te fréquenter, ils ne te fréquentent pas. Oui. Maintenant, s'ils veulent te fréquenter, quand ils viennent, tu les reçois. Oui. Comme si pour toi, il n'y a rien. Parce que je dis, s'ils arrivent là, tu les reçois comme s'il n'y a rien. Si d'abord le problème, tu dis, pour moi, ça c'est classé, on aborde ce problème. Moi, j'ai téléphoné, comme à Abidjan, on dit, quand on arrive, on salue les gens. Là où je ne sais pas aller, je téléphone pour dire bonjour. Et les gens qui ont su que j'étais là, ils sont venus me saluer aussi. Donc, c'est à partir de ça que ça s'est passé. Voilà. Que Dieu te bénisse. Oui, c'est Congo. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bon, pour moi, ce n'est pas une question. C'est que... Oui, madame Aladé, ma soeur Béatrice, tu en as parlé. Tu as de quoi parler. On avait un frère qui se mariait. Mm-hmm. Bon, il ne m'a pas envoyé d'invitation. Mm-hmm. Il a simplement parlé à d'autres. Il a invité plusieurs personnes. Mm-hmm. Mais c'est par le biais de ces personnes-là que j'ai appris que ce frère-là se mariait. Mm-hmm. Moi... Il y a l'un de mes frères qui m'a dit que on t'a pas invité. J'ai dit non, je n'ai pas reçu d'invitation. Il dit, mais comment est-ce que le frère qui te connaît bien ne t'a pas invité? J'ai dit, je ne sais pas. Et il m'a dit, mais tu vas venir au mariage? J'ai dit, oui, je vais venir. Il m'a pas invité, mais j'ai appris ça par toi, mais je vais venir. Il dit, mais toi, tu gardes pas de rancune?
Je dis, je n'ai pas de rancune. Est-ce que je suis en palabre avec lui? C'est mon frère, on va dans la même église. Donc, je suis allé au mariage et il se trouve que ceux qui étaient là au mariage, il n'y avait pas quelqu'un pour partager la boisson. J'étais celui qui servait la boisson. Et le marié, quand il est arrivé, il descend de sa voiture, il s'arrête et puis il me regarde, il me regarde. Et moi, je suis là, je servais la boisson. Les gens sont assis, ils mangeaient. Je suis allé, j'ai servi la boisson sur les tables. Et après le mariage, il dit, mais toi, qui t'a appelé ici? Moi, ce qu'on m'a dit de toi, c'est ce qui a fait que je ne t'ai pas invité. Il dit, mais qui t'a parlé de moi? Il dit, franchement, il faut laisser. Moi, ils m'ont dit que tu ne vas pas venir à mon mariage. C'est pour cela que je ne t'ai pas invité. Bon, ce que les gens disent de toi, ce n'est pas ce que j'ai vu. Je dis, ce n'est pas un problème. Ne suis pas ce que les gens disent. Mais si tu as une invitation, invite ce que tu peux inviter. Moi, j'ai appris comme ça, mais je suis venu. Il dit, d'accord, mais je ne vais pas te mentir. C'est telle personne qui m'a dit, qui m'a dit que toi, tu n'es pas une bonne personne. Et la personne t'a dénigré auprès de moi. Il a dit, une sœur. Il dit, oui, c'est une sœur. Et il m'a même montré la sœur. Mais cette sœur-là, je l'ai servi la boisson, elle n'a pas pris. Elle n'a pas pris la boisson. Et elle va dire au marié que je ne l'ai pas servi. J'ai dit, mais voici ce que j'ai fait. Ils étaient assis, ils ont fait un cercle. Et quand je suis venu avec la boisson, j'ai déposé tous les parfums. J'ai déposé tous les parfums et j'ai dit que chacun prenne ce qu'il veut boire. Quand la personne prend, je décapsule. Elle a refusé de prendre. Elle dit, elle ne prend pas. Donc, je suis retourné avec la boisson que j'ai mis dans la glace. Et quand le marié m'a dit que pourquoi tu as refusé de servir telle personne, j'ai dit, de grâce, je n'ai pas refusé de servir quelqu'un. Donc, je suis allé prendre encore la boisson. Si revenu, il a dit, prends ce que tu as à prendre. Elle dit, non, je ne prends pas de boisson. Donc, c'est les autres qui étaient assis, dit, comme elle ne veut pas boire, donne-nous sa part. Donc, j'ai donné. Et c'est pour quelqu'un d'autre qu'elle a pris. Moi, je n'ai rien dit. Je n'ai rien contre elle. Je dis, chacun est appelé à la foi selon la manière que Dieu l'a appelé. Ouais. Moi, ce n'est pas quelqu'un qui m'a amené à la foi. C'est Dieu même qui m'a conduit. Amen. J'ai fréquenté plusieurs églises. J'étais même à l'islam. Mon papa était musulman. Je suis venu à la foi. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Donc, je dis l'hypocrisie, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Tu m'invites à ton mariage, tu es un musulman, je m'avertis, si c'est un don que je dois te donner, je te donne. Mais ce n'est pas aller te donner le don qui fait que moi, je deviens musulman. Non. Non. Peut-être le geste que j'ai fait va toucher ton cœur pour que toi, tu cherches à aller là où moi, je suis. Donc, c'est comme ça, moi, je vois. L'hypocrisie, je ne la connais pas. Que Dieu te bénisse, frère. Voilà. Que Dieu te bénisse. Oui. Bon, il y a deux... Ça, et puis je prends... Il y a deux soeurs ici. Ah bon. Après ça, après les trois, là, c'est fini. Faut pas, on n'entend pas. On t'entend pas. Oui, en fait. D'accord. Je vous bénis, frère et soeur. On t'entend maintenant. D'accord. Je voulais rendre un témoignage par rapport à ce que c'était à dire. Et voilà que Vincent est venu appuyer encore mon témoignage. Dans le temps où je ne travaillais pas encore, j'ai pris une maison avec un frère à Yopougon. Dès qu'on a fini de payer la caution, on a habité les premiers jours, le frère dit de ne plus habiter avec lui. Alors que c'est tout mon fonds qu'il a donné. C'était dur pour moi. Je suis venu à l'église et j'ai dit au Seigneur, tu vois la situation, je n'ai plus d'argent. Et mon cœur est battu. Mais ce que je veux, donne-moi d'aimer le frère. Donne-moi d'aimer le frère. Amen. Donne-moi de l'aimer.
Quand je l'ai dit, je me suis endormi. Et le dimanche, quand le frère est arrivé, il a cherché à me voir. Il a cherché à me voir. Il dit, frère, qu'est-ce que c'est ? Il dit, non, frère, il t'a déjà pardonné. Amen. Ah bon ? Et fais-toi parce que Dieu a mis sur mon cœur l'amour pour le frère. Amen. Et j'ai compris que vraiment, chaque fois que je demande un emploi, ça prend du temps, mais pour l'amour, Dieu l'a fait automatiquement. Amen. Donc c'est la seule chose que Dieu donne automatiquement à chacun qui le demande, l'amour de son frère. Dieu ne met pas le temps pour le donner. Quand tu demandes à Dieu de donner l'amour pour un frère, il le fait automatiquement. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un jour, le frère, c'est Christophe a dit, mais toi, Badi, là, quel esprit tu es? Et puis, c'est toi ce qui te pose à tout le monde. Et je lui ai donné la réponse. La fois dernière, elle m'a dit, tout ce qui se passe là, c'est pour que la nature de chacun soit manifestée. Tu as bien compris, frère. Oui, ce qui se passe là, la nature de chacun. C'est pour ça que, comme la sœur dit, ce que je voudrais, ce que je veux pour chacun de nous, c'est que notre nature soit la nature de Christ. Amen. Et je ne sais pas, je dis pas que ça va se faire demain, ni après demain, mais on est tenu d'y arriver. Amen. Pas parce qu'on va faire des efforts par nous-mêmes, hein, mais parce qu'on va s'humilier, on va s'abaisser. Je suis en train de chercher à tirer une prédication. Si on n'a pas pu lire ça aujourd'hui, dimanche prochain, je vous lirai ça. Humilie-toi. C'est un truc qui fait quand même. C'est 19 pages. 19 pages. Ça fait 47 minutes. 47 minutes de prédication. 47 minutes de prédication. Mais je l'ai écouté pendant 5 fois. Chaque fois, je ne termine pas. Et puis, avant, j'ai dit, bon, aujourd'hui, il faut que je termine cette prédication. Je me suis assis là. J'ai fini la prédication. J'ai dit, mais. C'est ça qui est dedans depuis. Et puis, le diable veut pas, j'écoute là. J'ai dit, mais il faut que je partage ça avec mes frères, mes sœurs. Parce que c'est important, au stade où nous sommes parvenus, d'avoir la nature de Christ, d'être humble, d'être simple, mais de savoir où on va. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est important. C'est peut-être à l'entrée, en entrée, j'ai dit, frère, c'est pas moi, c'est pas lui, c'est toi. C'est chacun de nous. Pour l'enlèvement, là, c'est toi. Où tu veux aller, où tu ne veux pas aller. Mais moi, je ne veux pas aller dans la grande tribulation. Hein. Non. Si là, je ne veux pas aller dans l'enlèvement, là. Attends. Je suis venu parler dans la grande tribulation. Ah non. Non. Et tout ce qui peut empêcher que vous ayez le Saint-Esprit, pour frère, il faut qu'on élimine ça. Amen. Moi, je ferai ce que Dieu met sur mon cœur pour vous dire, n'allez pas ici, n'allez pas dans ça, n'allez pas ça. Tenez vos regards sur ça. Amen. C'est mon rôle. Mon beau rôle, c'est ça. C'est tourner vos regards vraiment sur Christ et vous dire, voilà ce qui peut empêcher quelqu'un de bénéficier de ça. C'est ça. Et souvent, je ne fais pas d'effort. Hein. Je vous dis, vous pensez que les prédications là, je fais un effort, si je devais faire un effort, moi, je suis déjà mort. Je ne fais pas d'effort. Quand ça arrive là, je dis, Seigneur, de quoi on va parler? Et puis, je prends ma Bible, je lis, je vois rien, et puis ma soeur m'a donné. Elle dit, lis tel passage, lis le passage. Et puis ça devient un grand sujet. Et quand ça arrive là, c'est des problèmes qui sont résolvés. C'est des problèmes. Quand on arrive, c'est des problèmes. Faisons très attention. Ne prenons pas les choses à la légère. Ne prenons pas les choses à la légère. Faisons très attention. Très attention. Au point où le témoin d'Hélène là, en train d'amener une veuve à la fois au village. Son témoignage là, après son décès de son mari, en train d'amener une autre veuve au village à la fois. Amen. Oui. Amen. Tout le monde au village est surpris de voir qu'elle n'a pas mené de veuvage, mais elle est resplendissante, rayonnante, Amen. Bonne santé, Amen. Mais on ne comprend pas du tout ce qui se passe. Amen. Au point, il y a une veuve actuellement qui vient à l'église. Elle vient à l'église. Parce que la soeur Alice lui a parlé. La soeur Alice, elle a parlé à Alice. Elle lui a parlé. Tu penses que c'est elle? C'est pas elle. Hein? Les anges de Dieu sont derrière elle. Et il y a tout un peuple qui l'accompagne dans ça. Et elle vient à l'église. Donc, c'est le temps, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le temps où chacun de nous doit faire très, très attention à sa vie chrétienne.
n'y a pas de compromis à faire. Il n'y en a pas. C'est le temps d'obéir strictement à ça. Je pourrais... Je suis avec ça. Bon. Je vais vous dire une chose. Je ne sais pas si... Il dit, ceux qui n'ont pas... Bon, je lis un peu plus haut pour que ça soit un peu plus... pour ne pas couper comme ça. Ainsi de même que dans le monde, sans le ministère de Frère Branham, n'aurait jamais entendu parler, on n'aurait jamais entendu parler des évangélistes. De même aujourd'hui, dans les milieux du message, personne n'aurait entendu parler des frères de l'Amérique du Nord. À nouveau, on trouve un sujet de scandale si quelqu'un se réfère à un passage biblique concernant son ministère. Il faut dire à ce sujet, si ce ministère n'était pas fondé bibliquement, il n'aurait aucun droit d'exister. D'autres objectent qu'il fait de prétendues corrections à ce que le prophète a dit. Pas de lui-même. Ceux qui n'ont pas compris, c'est que lorsqu'il semble y avoir une contradiction, ce qui doit être valable peut et doit être seulement ce qui est véritablement dans la Bible. Amen. Fondé sur au moins deux ou trois passages. Amen. C'est tout. Aujourd'hui là, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Est-ce que c'est fondé sur la Bible? Si ce n'est pas fondé sur la Bible, on jette ça dehors. C'est tout. C'est tout, frère. On n'a rien à chercher d'autre. Frère même le dit. Tout doit être fondé sur la Bible. Ne vous faites pas de problème, ne vous faites pas de mauvais sang. Ce que vous devez être, soyez des chrétiens et des chrétiennes. Point. Les critiques, il en aura. Le mépris, il en aura. Mais vous soyez des chrétiens. Aimez. 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 Et aimez toujours. Amen. Quand ça pose un problème, priez pour que votre cœur la aime. Amen. Oui. Denise. C'est la dernière question. C'est pas ouvert? Bon. Mais donne, on va ouvrir. Donne ici. Amen. Ouais. Moi, j'ai pas de question. En fait, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et je veux dire que c'est une situation quand même assez traumatisante. Hein. Quand j'écoute mon frère Jean-Marie qui dit qu'il a mal dans son cœur, ça fait mal. C'est vrai que, comme Jean-Marie, il y a des gens qui réagissent de la même manière, qui ont mal et qui continuent. Mais là, il y a un nom qui s'isole. Moi, mon cas, je m'isole. C'est pas bon. Voilà, je m'isole. Et à force de m'isoler, on a trouvé que j'étais un peu différente des autres. Qu'il y a des choses où je ne me mêle pas carrément, où je ne suis pas présente à certains endroits. Mais moi, c'était ma manière à moi de me protéger, m'isoler. Non. Et après, longuement après, quand j'ai commencé à méditer sur mon caractère, je me suis dit, bon, pourquoi est-ce que je m'isole? Puisque la Bible parle du chemin étroit, du chemin difficile, du chemin qui est raide. En fait, ce n'est pas une question d'argent. Mais je pense que c'est l'environnement qui rend ce chemin étroit, difficile et raide. Maintenant, mon environnement attend quoi de moi? Et pourquoi dans telle situation, il y a des personnes pour lesquelles tu poses tes actes et qui en retour te méprisent? Donc je me dis, le mieux serait de les comprendre aussi. Parce que peut-être que ces personnes ont elles aussi leurs problèmes. Peut-être que ces personnes ont été impactées par leur environnement et que ces personnes aussi ont été traumatisées quelque part qui n'a rien à voir avec moi. Et la plupart du temps, je cherche à privilégier le dialogue, en fait. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais je vais revenir. Excuse-moi de t'interrompre, ma fille. Ici, ce que tu as à faire, c'est d'être chrétienne. L'autre, ce n'est pas lui, c'est toi. Toi, qu'est-ce que la Bible te demande? Je ne sais pas si on se comprend. Toi, qu'est-ce que la Bible te demande en tant que croyant? Applique uniquement ce que la Bible te demande en tant que croyant. Tu n'as pas cherché ça là. Tu sais, dans les sociétés, on cherche, quand on parle de leadership, on sait comment il faut faire ça. Ça ne marche pas dans la Bible. Ça ne marche pas dans la foi. Dans la foi, c'est le Saint-Esprit. Point, c'est tout. Amen. Tu laisses l'Esprit de Dieu agir. Et pour l'Esprit de Dieu agir,
c'est de te référer uniquement à la parole de Dieu pour dire qu'est-ce que Dieu me demande moi. Moi, je fais. Il ne faut pas t'isoler. Si tu t'isoles, tu vas mourir. Parce que tu ne fais pas la Bible. Tu ne portes pas la Bible. La Bible ne te demande pas de t'isoler. D'appliquer ce que tu dois appliquer pour le moment dans lequel tu es. C'est ça que j'ai dit, quand tu lis dans Psaume chapitre 1, il dit, cet homme-là, qui médite la loi nuit et jour, est comme un arbre, qui est planté près d'un courant d'eau. Et son feuillage ne se flétrit point, mais il porte son fruit en sa saison. Donc toi, dans chaque saison, quel fruit portes-tu? Quand je parle de saison, c'est-à-dire pour chaque situation qui se présente là, qu'est-ce que la Bible dit que tu dois faire? La saison là, c'est ça. Je suis dans une situation où il y a un conflit larvé avec des gens et puis on ne se comprend pas. Qu'est-ce que je fais? Moi, t'es un croyant. Aussi longtemps, ça dépend de moi, il faut que je sois en paix avec tout le monde. Je vais chercher la paix. Si je ne la trouve pas, je reste tranquille. Et je vais continuer de prier pour eux. Si c'est un problème de manque d'amour, moi, je prie pour que Dieu me donne l'amour de les aimer, pour que je les aime. Tu comprends, non? Mais si je donne la vérité à quelqu'un, je lui dis la vérité dans la simplicité, mais dans l'amour. Maintenant, si ça doit entraîner une séparation, que le nom du Seigneur soit loué, ben écoute, je ne peux pas faire autrement que ça. Que Dieu nous bénisse. Amen. Léon, tu as prié pour nous. On va se lever. Non, on va prier ensemble d'abord, puis après, moi j'ai prié pour vous. Prie d'abord. Mais tu pries aussi, hein, c'est pas bien grave, tu pries. Bien-aimé Père Céleste, ce matin je lisais ce psaume 107, louer l'Éternel, car il est bon. Amen. Car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Amen. Ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Amen. Et c'est à cela que nous en sommes ce matin. Mm-hmm. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Non. Et nous le savons. Mm-hmm. Mais nous avons les regards fixés sur cette parole qui dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Est possible à Dieu. Amen. Aujourd'hui même. Amen. Amen. Aujourd'hui, amen. 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 Comme amen. Le bâton d'Aaron. Oh Dieu. Ôte de nos cœurs tout ressentiment. Amen. 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 Délivre-nous de l'ennemi qu'on appelle la rancune au nom de amen. Jésus. Amen. Le problème me concerne. Le problème concerne mon frère. Le problème concerne ma soeur. Mais nous voulons être comme tu veux que nous soyons. Amen. C'est pour cela que nous sommes d'accord. Oui. Pour que nous soyons délivrés de cela. Amen. Quand tu nous auras délivrés, amen. Mets maintenant dans notre cœur de la compassion. Amen. Parce que sans compassion, non. Nous ne pouvons pas faire du bien. Non. Si nos cœurs sont trop durs, nous ne pouvons pas faire du bien. Non. C'est pour cela, Père, je conclue, comme notre sœur a rendu témoignage de ce que, ayant cru à ce que ton serviteur a dit, elle a été reçue au concours. Amen. Écoute ce qu'il te demandera maintenant amen. Nous concernant amen. Et exauce maintenant même amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé Père Céleste, tu n'as jamais voulu que tes enfants prennent des chemins tortueux. Et tu as dit qu'ils soient parfaits comme toi, tu es parfait. Amen. C'est pour ça que ce sujet a été abordé. Oui, c'est... Pour que désormais, il n'y ait pas de ressentiment, ni d'amertume. Aucun autre problème. Seul l'amour. Amen. Quand tu as dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais tu sais, Seigneur, qu'on ne peut pas l'acheter. On ne peut pas le décréter. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui le dévête dans le cœur. Écoute amen. Et fais grâce. Amen. Affranchis tous les cœurs liés. Amen. Délivre tous les cœurs liés. Amen.
et remplit ses cœurs de l'amour et de la compassion qui vient de Jésus. Afin que désormais, Seigneur, leur visage soit rayonnant. Quelles que soient les circonstances, ils soient heureux d'accomplir ta volonté. Bénis-les, délivre-les. Satan, retire ta main de dessus eux. Afin qu'ils ne soient plus esclaves de quoi que ce soit, de quelque situation que ce soit. Qu'ils soient plutôt esclaves de Jésus-Christ. Comme Paul pourrait dire, je suis prisonnier de Christ. Qu'ils soient prisonniers de Christ. Dès maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, Seigneur, te recommandons cette fin de réunion et prions que tu nous réunisses encore cet après-midi. Prépare nos cœurs, prépare notre esprit et bénis chacun. Ceux qui doivent aller pour revenir, que tu les gardes et qu'ils reviennent sains et saufs. Et qu'encore ce soir, tu nous parles, toi-même tu nous parles. Accorde-le, nous te prions, au nom de celui qui nous a aimés et qui a répandu son sang abondamment pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.